Après, tranquille, j'imagine que tu auras plein de trucs à faire et j'espère que c'est pour le mieux. Donc, super, c'est la faute de la manette. Ouais, on va dire ça, ouais. Et en fait, moi, ce que je kiffe sur cette manette-là, pour ceux qui veulent tester, c'est ça. En fait, tu as des boutons là, tu vois. Tu as les trucs ici qui te permettent de déterminer justement à quel point tu peux appuyer sur la gâchette. Là, regarde, si je fais ça, si je mets là, ça. Du coup, si je mets en haut, en gros, là, tu peux cliquer là à fond. Tu vois, là, tu peux cliquer à fond. Enfin, je sais pas si vous le voyez en fait, je sais même pas si vous le voyez. En gros, là, tu vois, je peux cliquer à fond. Tu vois. Et si jamais je mets ça en bas, ça appuie que comme ça et ça active le bouton quand même. Je mets pas de palette. Non, j'ai pas acheté de palette pour l'instant. Je me dis, bon, je teste comme ça, ce sera très bien. Mais je mettrai peut-être des palettes pour les potions, ce genre de choses dans le jeu. On verra. C'est la élite, ouais, c'est la élite 2. Mais par contre, ça, c'est trop bien. Hein. Ça, le truc des gâchettes, c'est trop trop bien. Du coup, je mets à moitié pour ne pas avoir appuyé pro, mais pour quand même avoir cette sensation d'appui. C'est pas dans la boîte. Non, j'ai acheté la version. Moi, j'ai acheté la version clochard, ok? Moi, j'ai acheté la version clochard. Il y a la version à 180 balles, qui est donc la manette noire avec toutes les palettes, etc. Moi, j'ai acheté la version clochard. J'ai acheté à 120 balles la version clochard, tout simplement. Sans palette, juste la manette, voilà. Les gars, vous croyez? Vous croyez, on est ici, on a de l'argent. Ici, on est des clochards, ici. J'ai réussi le boss du bastion, moi. Ouais, j'ai réussi le boss du bastion, moi. Monsieur le colonel, je ne sais plus quoi, là. Il a bien pété les couilles, d'ailleurs. Donc, faut que j'arrive à rentrer dans ce château. Oh, mais j'ai rentré dans le château. J'ai super vénère, lui. T'es énervé comme ça, mec. Ok, donc là je rentre dans le fort Laid. Wesh. What the fuck? Hein? What the fuck? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais mec, tu fais quoi? Ok. Allez. Ok, bon, ça va. Ça va, ça va, c'est largement faisable. Je lui mets deux weapon art, on est bon. Et merci à toi, Shadid, pour avoir offert un sub à Sly Elfrim. Donc, j'ai vu ta réponse au clip de la Sainte qui joue à DS2, ça donne vraiment pas envie. Mais ça a l'air d'être une horreur. Dark Souls 2 a l'air d'être cauchemardesque. Je ne toucherai jamais à ce jeu. Weapon art abusé. Ah bah, ouais. Sauf que j'évite de l'utiliser Ren. J'essaye d'utiliser au maximum le weapon art au corps à corps. Comme ça, en gros, c'est un peu comme un croc du milieu au final, hein. Sauf que le croc du limier c'est encore plus broken je trouve parce que en fait il y a le côté où ça dash back. Voilà, juste à le bourrer en fait. Hein, lui. Juste à le bourrer la gueule et comme ça on le déchire. Très bien. Grand marteau de prélate, merci monsieur. Une petite arme. Ok, on prend. Mais tu vois, je trouve que le combo Moonveil Shigatana est peut-être moins fort que le combo. Tout simplement juste avec. Croc du Limier, tu vois. Il est moins broken. Parce que Croc du Limier, je trouve ça vraiment giga broken. Wesh, il se passe quoi ici? Sombre crétin. Qui me parle? C'est toi qui me parle? Wesh, mais attends, mais c'est le bordel ici! Oh, t'y a rien dans le coffre là? Objet précieux, toujours pas non. Mais ils sont fait déchirer par là. Après, le château m'a l'air d'être assez petit. Jamais ils ne me retrouveront. Y'a un mec qui parle là. T'es où? Ah. Et crois que j'ai pas trouvé, c'est toi. Salut mec. Je survivrai, j'en fais le serment. Mais t'es mort déjà? T'es con ou quoi? Et je serai bientôt de retour au manoir du volcan. Mais mec. Mais mec, tu es déjà finito? Qu'est-ce que tu piailles? Y'a rien? Non mais c'est le château le plus vide de l'histoire.
Le fort, il n'y a rien dedans. Non, je refouille un peu parce que le château m'a l'air d'être plus grand que ça quand même. Quand tu arriveras à Malenia, fais un gros truc de console là, t'inquiète. De toute façon, ce sera tout. Non, mais le château est énorme, c'est impossible. Devez voir une aile annexe, c'est impossible. J'ai la flemme de le tuer lui, on sait jamais. Voilà, fais tes trucs. Et tes machins de PlayStation, crache du feu de partout, c'est très bien. Trop bizarre. Le château a l'air d'être assez grand. Mais je ne vois rien. Peut-être une porte cachée. Ah, c'est peut-être par là. Peut-être qu'il faut que je saute par là-bas. Ah non, mais le château il est tout petit en fait. Là c'est l'entrée du château. Le château est beaucoup plus petit que ce que je pensais en fait. Parce que je peux pas aller sur les tours là-bas. Là-bas, c'est l'entrée du château. Y'a que dalle. Bon, avec autant de recul maintenant, je pense quoi du jeu, s'accord. Je pense que c'est le meilleur jeu qui est sorti depuis très très longtemps. Je pense même qu'on peut potentiellement, je dis bien potentiellement, lui attribuer le titre de jeu de la décennie. Et je modère mes mots, hein. Et je suis très sérieux avec ce que je vous dis là. Parce que je préfère largement Elden Ring à Zelda par exemple. Mais largement, hein. Chercher quelque chose d'incroyable. Bah, je cherche quelque chose d'incroyable là, mec. Ok, je cherche quelque chose d'incroyable. Ouais. Et c'est ta première expérience From Software. Ouais, c'est peut-être aussi ça. C'est peut-être parce que c'est ma première expérience From Software aussi. Je trouve le jeu trop trop complet, c'est une dinguerie. Monteur droit devant, ok. Bon, il y a forcément un truc caché quelque part, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'il m'ait foutu un vieux château comme ça pour rien. Il y a peut-être un truc en bas. Laisse-moi voir en bas. Tu vois le truc incroyable. Attends, mais. Cherche bien, tu vas trouver. Non, mais y'a plus rien là. Là j'arrive pas à me projeter dans Breath of the Wild. Ah non, mais Breath of the Wild est un très bon jeu. Après, le jeu ne sera plus le meilleur jeu de la décennie dès le moment où le cher, mon cher jeu fétiche va sortir, le jeu de ma licence préférée, Final Fantasy XVI va arriver. Là, faudra plus me parler de quoi que ce soit, faudra plus me parler d'Elden Ring, d'Entre-Terre, etc. J'en aurai plus rien à foutre. Mais pour l'instant, en tout cas, je suis assez, assez formel, je trouve le jeu absolument exceptionnel. Bon, y'a rien, hein. Mais d'accord, y'a plus rien, hein. Final Fantasy, la parodie de WoW. Ah, mais toi, tu connais Final Fantasy par le MMO. Oh là là. Oh là là. Dire Final Fantasy, la parodie de WoW, mais c'est. Comment ça? Comment ça, frère? FF, ce n'est pas un MMO de base. Ce n'est pas un MMO. Et en plus, ça, FF14 arrache WoW. Voilà, je le dis maintenant. Je le dis, j'ai joué aux deux. WoW, j'ai essayé d'accrocher au jeu. J'ai essayé de jouer au jeu, j'y ai joué une heure, j'ai trouvé les graphismes absolument horribles, j'ai trouvé des sangliers, frère, j'aurais pu les dessiner moi-même. J'ai joué à FF14, le jeu est somptueux, il y a un moment il faut aller se faire foutre. Non, il faut aller se faire foutre à un moment. C'est bon, c'est bon. C'est bon, il suffit. Bon, j'imagine qu'à un moment, je dois juste me barrer de là. Dans le fort Laid, il n'y a rien. Après, généralement, dans les forts, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose. Par contre, il me dit qu'il va aller au manoir du volcan. Donc ça veut dire que peut-être que lui, je vais le retrouver au manoir du volcan. Après, au manoir du volcan, j'ai plus personne. Donc. Le MMO de LoL, là, par contre, hein, quand le MMO de LoL va sortir, hein, voilà, faudra plus me parler non plus de Square Enix. Hein. On est d'accord, hein, c'est mon éditeur de jeu préféré. Hein, mais le MMO LoL, hein. Mama.
le jour où ça sort. Hein. Oh, what? Parti où toi? Hein? L'épée peut m'apprendre des compétences. Ah ouais, cool. T'es cool toi? Genre là, je peux parler à une épée pour qu'elle m'apprenne une compétence. Assez stylé. Assez stylé. Ok, donc là, la partie de gauche, on l'a faite. Par contre, on est d'accord, moi j'ai été... J'avais été voir un truc. Je n'ai toujours pas compris et apparemment, c'est une galère d'arriver là. Dites-moi si c'est vraiment une galère d'arriver là. Le chat m'a plus ou moins confirmé hier que arriver ici était une galère. En tout cas, que c'était beaucoup moins logique que ce que je pensais. Arriver là-haut, là. Dans le truc ici. On m'a dit que c'était pas intuitif du tout. Donc, je chercherai ça plus tard. Bon courage pour trouver. Ok, bon vas-y, on oublie alors. J'ai capté, les gars, j'ai très bien compris. On oublie. Sur ce, on va faire toute la partie nord, tout autour de l'arbre. Donc là, on va arriver ici. On va fouiller par là. Et on va tout simplement bien se balader. Hein. C'est une sortie, pas une entrée. Ok, bah GG alors. Alors, il manque combien? 17 000. Vas-y, on va cash out un peu. On cash out un peu les 17 000. C'est... Les stats de Tchad, hein. Les stats de vrai Tchad. 10 vigueur, 10 esprit, 30 endurance, 10 force, 35 dex, 60 intel, 10 de fois, 10 déso. Juste que l'intel m'augmente énormément de mes stats. C'est pour ça, du coup, que je mets de l'intel. Ok, donc je passerai par là-bas après. Faut déjà que je fouille toute la zone au nord. Donc là, j'étais allé par là. Ça, est-ce que c'est pas quelque chose, ça? Moi, les trucs comme ça, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est vraiment des emplacements où il y a des trucs ou pas. Mais je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc, on va aller vers le nord. Pas check? Mais... Ouais, je peux aller check, en vrai. C'est un vrai truc. J'ai déjà pris le truc. Check. Si tu vois un truc dessiné ou un peu spécial sur la map, égal, c'est un truc. Ok, bon, écoute. Aussi simple que ça. Ah merde. C'est que je peux pas passer ici. J'ai pas les deux trucs de médaillon. Ok, donc je peux pas passer par là, c'est vrai. Parce qu'en fait, il fallait que je passe par l'ascenseur. Ça me fait prendre l'ascenseur, ça me fait descendre, ça me fait faire tout un tour en passant par. Par comment dire? Par le. Noctron. Ping numéro 1. Il faut que j'aille sur ping numéro 1. Un soldat, viens là! Attends, il est stylé lui. Il est stylé, mais il est bien mort quoi. Combat à cheval, injouable, 0 hit miss. On y va. Bon, flemme de vous tuer tous ensemble. Je vais en laisser quelques en vie. Par contre, la zone, je la trouve magnifique. La zone, je la trouve très 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 belle. Est-ce que j'ai fouillé ici? Je regarde s'il n'y a pas des petits items à fouiller là. Oh non. Ok, voilà. Et de lame de pierre, merci monsieur. Y'a pas une petite émote qui traîne là? Aïe. Aïe. Enfin, des espèces qui volent, hein, les salopards. Putain. Ça pète les couilles, ça. Hein. Je vais les tuer, ils m'ont saoulé. Descends, wesh. Clear le camp. Ouh. Putain. Quel mob de merde ça. Hein. Pourquoi ils mettent des mobs qui volent? Imagine tu joues un range top. Non. Faut vraiment que je trouve d'ailleurs le truc de... Parce que j'ai eu deux églises. Il me fallait une certaine émote ou un truc comme ça. J'ai l'impression qu'il fallait que je prie devant une statue.
Ah, c'est en bas, merde. Ah, d'accord, ok. C'est donc ça, très bien. Wesh. Oh, il y a des mobs qui arrivent en boucle, laissez-moi tranquille. Hein. Ok, donc c'est une géole éternelle, très bien, parfait. Ça c'est bien ça, ça on est content. On va faire un petit tour. Pour arriver en bas. Oh merde de géant. Oh no. Oh no. Laissez-moi descendre, pitié. J'ai la flemme de tuer les géants, c'est chiant. On a fait d'autres des géoles, j'en ai fait plein. L'une des premières géoles que j'ai faites m'a donné le coup du limier qui m'a carré 99% du jeu, donc bon. Je rappelle que c'était l'une des premières que j'ai faites. Hein. Faut que j'active. Faut que j'active. C'est combien? Putain, deux clés! Maintenant j'ai l'impression que tous les trucs coûtent deux clés, ça pète les couilles! Ce mec, c'est pas Godric, c'est Godfroy maintenant. De salopard, hein. Quel truc de salopard, hein. Il tank bien en plus le con, hein. Il tank très très bien le con. Ah donc c'est un des descendants, d'accord, donc pour le lore, ok. Après je sais pas si on nous le dit dans le jeu, j'imagine que oui. J'avoue que par contre il a mis un effet de fou, hein. Vrai coup franc. Aïe. Petit coup de delay. Mais en lisant les items et tout, et même Godric le dit, mais je me suis dit que t'avais zappé, ouais c'est sûr. Mais du coup toute la famille ils sont fait rapiécer là. Après il a moins de pattern que Godric j'ai l'impression. Donc ça va. Heureusement. Sinon ça aurait été chiant. Par contre, je peux le mettre juste une. Je peux juste le bourrer. Je peux le mettre deux weapon art au tout début, je pense. Ah ouais. Oh, le truc, il stagère tellement. On va lui mettre de saignement. Que je pensais. Attaque. Oh, j'ai tanké un coup, MG! Aïe. Ok, double hit au sol. Triple hit au sol, non? C'est pas ce qu'il me semblait. Je maîtrise la range à la perfection. Thank you.
pas le stagger là? Aïe. Non, il va me rebalancer du vent. Non, ça va. Aïe, deux. Ah, je savais pas qu'il en lançait deux, je pensais qu'il en lançait qu'un. Ok, c'est bon, j'ai capté. J'ai capté, il est mort. J'ai l'impression que personne ne sait au niveau du lore. Hein. Je peux baisser vite fait le son si vous voulez. C'est vrai que le son, je l'avais monté hier parce qu'un mec m'avait dit que le son était trop faible. Sauf qu'en fait, il était bon. Puisque c'était le PNJ, là, l'autre, là, Kiana, là, qui, dans le manoir du volcan, qui parlait tout doucement. Ah, Tanit, ouais. Tanit, Kana, bon, c'est pareil. Aïe. Fait chier. Il veut pas être seul ? Merci, quand même. Merde. On a peur de rien. Gros coup. Wow, wow, wow. Ah oui, ça c'est le triple hit. Et gros coup au sol. Gros coup au sol maintenant. Voilà, ça on s'en rappelle ça. Est-ce qu'il va me lancer du vent? Trop tôt. J'ai roll trop tôt. Ok. Faut que j'attende qu'il relève bien la main. Ok. Faut que j'analyse bien ses mains. Je regarde juste ses mains et c'est bon. Et merci à toi Nomasu pour ton 5ème mois d'abonnement, merci à toi Ugiz. Ah, il m'a mis une feinte de frappe de fou. Nomasu 5 mois, le roi, s'accord hype. Et c'est à toi Tominou. C'est à tout ce qui est arrivé sur le live. Hein. Il y a un écho, en fait l'écho il est lié au fait que mes alertes ne sont pas dans mon oreille. Et du coup j'imagine que le micro capte le truc d'alerte. N'hésitez pas à tester, voir pour vous abonner, j'ai baissé le son dans... Juste pour tester là. Aïe, j'ai pas le temps de roll. C'est une folie, wesh. Aïe. Quoi? Oh, son gros corps m'a bloqué. Non, je passe dans son dos. Mais généralement, je passe en dessous de lui. Et là, son gros corps m'a bloqué. Et merci à toi, Koalemos, pour ton sub à Satouche Prime et mon s'abonne pour Dark Souls 3. C'est vrai, on rappelle, hein, à 1000 subs, à la fin du Let's Play Elden Ring, ça part en Let's Play Dark Souls. Hein. N'oubliez pas. Hein. N'oubliez pas, n'hésitez pas à tester. Si jamais vous êtes tous là à vous abonner, hop, on attend les 1000 subs. Et du coup, il y aura un autre arc après cet arc Elden Ring. Je vais faire tous les boss. Je vais essayer de faire tous les boss intéressants. Parce que tu sais, il y aura plein de boss qui sont pas spécialement intéressants, mais tous les boss cachés cool à faire du jeu, je vais les faire. T'as déjà fait Dark Souls, mais je vous le dis, c'est mon premier From Software. C'est mon premier là actuellement. Bon, j'ai décidé de jouer en slip et voilà. Le seul jeu auquel j'ai joué, comme je le dis, c'est Sekiro et j'ai joué 2-3 heures. Non, putain. Qui va me balancer cette tornade. Et ce qu'a Tencho. Merde, trompé d'arc. Oh non, pas le full attaque. Trop tôt. Putain, j'ai roll trop tôt. J'ai hint, je le savais en plus ça. Tous les rageux de Dark Souls 2. Après, Dark Souls 2, apparemment, c'est vraiment une purge. Hein, de la part de la majeure partie des gens que j'ai vus, apparemment, c'est une purge. T'as pas apprécié Sekiro aussi, j'avais adoré Sekiro. J'avais vraiment beaucoup aimé, le seul truc, c'est que bah j'étais dans un arc League of Legends, les gars. Les gars, j'avais un elo à entretenir, je devais carry le cul de Narcus, fallait quand même que je joue un peu à LOL, quoi. Il devient quoi, The Witcher, à 1000 subs, du coup. The Witcher, c'est 1200 subs, les mecs. Voilà, c'est bon, c'est parti. 1200 subs, c'était 1250, The Witcher, hein. 1000 subs, c'était la teinture, hein. En vrai, Utsu. C'est vrai, c'est vrai. Non, c'est réel ça, c'est des vrais stats.
Ah, écoute, là je suis sur un arc LOL là. Enfin, je suis sur un arc From Software là, je suis addict. Merde. Perdre mon shield parce que j'ai pas d'énergie, ça me pète les couilles. Merde. Oh putain. Où j'arrive à low stunt. Ok. Si je remets deux weapon art, non c'est bon. Allez, un autre. Merde. Merde. Ça m'alloc sur mon R2. Je voulais appuyer L2, R2, ça m'alloc sur le R2. Du coup, ça a mis deux attaques strong pour rien. Et ça m'a fait un peu laguer. Alors que je vais juste en mettre une. Sur chance que je fais une weapon art, j'ai le temps de partir. Dark Souls 2 égale meilleure ambiance. Dark Souls, son préféré. Ah ouais, vraiment? C'est vraiment le préféré de quelques personnes? Après, il avait été atteint. Ouais, mais le but, tu vois, c'est pas de l'atteindre. C'est de l'avoir de manière régulière, voyons. Donc, tu achètes où tes vêtements? Tu insultes aussi? J'en sais rien. Je dois avoir, genre, une cinquantaine de sites que je check de temps en temps. Et du coup, c'est une galère un peu. C'est dur de dire où je m'habille parce que. Même moi, je sais pas où je m'habille. Ah, c'est vrai qu'il y a ça. Oh, il y a ça, gros connard. C'est bon, il m'a saoulé aussi, lui. Là, j'ai grid, là. Il m'a trop cassé les couilles. Dans la commu des Souls, c'est vrai qu'il y a eu un L3 et les autres qui sont OTP du 2. Ah ouais? Oh, ça doit être un enfer, la commu Dark Souls. Ils peuvent pas laisser les gens kiffer le jeu qu'ils préfèrent, c'est tout. En fait, moi, j'ai vu Dark Souls 2. Et moi, c'est pas spécialement, tu sais, la rigidité ou quoi qui me bloque. Mais c'est... Le jeu est trop moche! Le jeu est trop moche, c'est une dinguerie! Il est trop trop moche! Il y a des modes, mais frère, si t'es obligé d'installer un mode pour que ton jeu soit plus beau, c'est bon. Hein. Sois tranquille. Hein. Putain, il me pète les couilles, il veut pas me lâcher. Pas lâcher le steak lui. Quoi? C'est quoi ça? Attends, weapon arted. Voilà, stunt. Merde, je suis mort. Pas d'énergie. J'ai pas d'énergie pour partir, je savais. Elles sont les combien tes armes? Elles sont bien là, elles sont plus 8 pour le Moon Veil et plus 20 je crois pour l'Ushigatana. Donc c'est bien. Je te conseille Bloodborne avant Dark Souls. Après, moi, je sais que Dark Souls 3, apparemment, c'est l'un de ceux qui est préféré par les gens. Donc, faudrait que je fasse le 3, quoi. Dark Souls 2 est moche, mais il y a une vraie ambiance dans les zones qu'on ne retrouve pas dans le 3. Ok, mec. Je testerai peut-être un jour, mais disons que c'est pas prévu. Pour l'instant, celui qui est prévu, si jamais j'atteins les 1000 subs, c'est le 3, déjà. Peut-être qu'un jour on essaiera le 2, on verra, mais pour l'instant c'est pas faux. Encore ! Deux fois de suite le même pattern ! T'abuses du bas et chacal. Trois fois de suite le même pattern ! Oh monsieur ! Il s'agirait d'arrêter de casser les couilles là quand même. Le mec est un OTP. Alors j'ai mis un couteau. Bon ça va mec, je sais pas, mix up un peu. Fais un effort, j'en sais rien. Non mais le mob a bugué. Non mais le mob a bugué, ce n'est pas possible. Non mais... Non mais... Ah non, c'est pas le même, bien joué. Oh merde. Oh bien joué, c'est pas le même.
c'est hilarant. Merde. Non mais, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Le mob a fait 99% du temps la même attaque. L'OTP de fou. Qu'est-ce qui branle? Mais qu'est-ce qui branle? Icône de Godfrey. Ok, merci à toi. Hein. Mais... Ah, il a bien bugué le mob. C'est pas normal qu'il fasse ça. Attends, c'est quoi ce bordel? Améliore les sorts et les compétences chargées. Bon, je m'en fous un peu. Ok, donc ça on a fait. Nickel. Donc ça c'est fait. Maintenant on va aller où? Est-ce qu'il n'y a pas un petit truc là? On va aller par là. Là-bas il y a des ruines, je pense. Allez, on va aller par là-bas. On a pris ce qu'on avait à prendre ici. C'est parti. C'est le open art au cac qui l'a fait bugger 100%. Mais le truc c'est que je fais toujours open art au cac parce que ça fait plus de dégâts. Donc j'essaye en tout cas de le faire le plus souvent au cac possible. What? OMG. OMG, le petit chemin caché. Ok, os imposant de bête, super. Ça m'a amené où tout ça? Je viens de faire Godfrey, ouais je viens de faire Godfrey là. Désolé, j'avais besoin de petits os. Ça va m'amener au même camp que tout à l'heure, non? C'est pas le même camp que tout à l'heure ça? Là. Ah non d'accord, c'est les mecs qui me tirent dessus, ok. Ah non, j'ai déjà loot ici. J'ai déjà loot ici, il me semble. Ah, du coup, il n'y a rien par là. Par contre, il y a des mecs très énervés là-haut. Faut l'air de faire un peu les beaux. Faut que j'aille les tuer. Il me semble que ce clan-là, j'avais clair déjà. Ça fait mal quand même. Pas oublier que j'ai pas d'HP hein, quand même. Oh, je les avais clairs ici. Je les avais clairs 100% ici. Aïe. Oh, ça sert à rien de les tuer tous. Hein. J'ai pas trop d'intérêt à tuer tout le monde ici. Qu'est-ce que tu fais, toi? Aïe. Pas trop d'intérêt, mais est-ce que, pour l'honneur, est-ce qu'on le ferait pas quand même? Merci monsieur. Pierre de forge. Pierre de forge, un petit bouclier, bon, pourquoi pas. Bon, y'a plus rien ici, c'est bon, tout le monde est mort. Ok. Vous êtes tous morts les bronzos. Ah non, t'es à toi encore. Sur quoi tu tires, mec? Ok, bon bah écoute. Sur rien. Mais ça, j'avais déjà fait ça. Quasi sûr que j'avais déjà fait ça. Ça, c'est des mobs un peu chiants, mais... Bon, un peu chiant, ça va. Hein. On a vu plus chiant dans la vie. Getsuga, Tencho. Oh merde. Voilà. Pierre de sanctuaire. Je me suis jamais servi d'une pierre de sanctuaire depuis le début. Hein. Ok, non, ici j'ai fait. Ici j'ai fait 100%. Donc là, je vais aller vers le nord, vers le point numéro 1 que j'ai mis. Alors, il y a quoi là-bas? Là-bas, il y a un soldat qu'on a tué tout à l'heure. Ok, allons vers le nord. Allons vers le nord, comme j'ai dit. Ici, on fouillera plus tard. La petite bâtisse là-bas, là, le petit château, on ira plus tard. Là-bas, les petits camps là, on les a déjà fait, il me semble. Sinon, il y aurait des objets qui traîneraient. Vraiment un objet qui traînerait. Il n'y a rien. Ah, il y a un coffre. Oh putain, il y a un coffre. Oh, il y a un coffre. Attendez, je suis en ouf.
Aïe. Voilà, descend. Oh, la ligne. Les deux en même temps. Voilà. Ok, j'ai loupé le coffre. What the fuck? Ça respawn, mais attends, mais quoi? Ça a pété. Ok. C'est bon? C'est bon, je peux prendre le coffre tranquille là? Merci. Branche sacrificielle. On a foutre. Ça sert tellement à rien, ça aussi. Il faudra un moment que j'aille faire tous les marchands de la zone. Après, je peux peut-être ça off-stream, tu vois. Je peux peut-être tous les marchands de la zone pour essayer d'acheter des clés. Parce que les clés de lame de pierre, je suis en train d'en dépenser énormément. Mais j'en trouve pas beaucoup. J'en dépense beaucoup plus que ce que je trouve pour l'instant. Dernièrement, en tout cas, c'est sûr. Plein de tortues. Ah, et d'ailleurs, faudrait que je fasse le... J'ai une clé immaculée. Voilà, que j'aille au beffroi là, au machin des... Ouais, je crois que c'est le beffroi, non? Ok. Tiens, un peu d'histoire, on va lire ce qu'il y a sur le CZP. La dernière défense de Lindell. Une alliance souveraine gangrénée par de l'intérieur. Subsiste encore des traces d'un sanglant complot. Oh, intéressant, un peu de l'or. Des ruines. Ah, c'est une église, ce ne sont pas des ruines. Lourd. Et je check. J'ai peur de tomber de là. Tomber de là. Ça ira. Deuxième église de Marika. Oh merde, y'a un immaculé qui va pop là. Y'a un mec qui va spawn. Voilà, je me disais bien. Arrête, lâche ça, lâche cette potion mon gars. Hop les... Oh. Y'a plus d'énergie. Allez, on va y aller. Qu'est-ce que tu fais? T'as plus de potion, arrête. L'arme de cristal purificatrice. Lame double d'Eleonora. Ok. Stylé. Check son arme. L'item de fou. Ah ouais, c'est un item de fou. Ah mais j'ai pas des os donc ça marche pas. Ah oui, c'est ça. C'est les larmes comme Dark Vador. Ouais. Ah ouais. C'est stylé de ouf. Ouais, stylé. Oui, Dark Maul, pardon. C'est vrai. Un autre truc là. J'aimerais trouver quand même une petite un petit spawn là. Un petit spawner, ça ferait pas de mal là. Graisse magique, ok. Il y a un truc pour jump ici. Je vais jump et je vais voir un peu. Je vais prendre un peu de hauteur sur le truc. Pour voir un peu ce que je peux voir vers le bas là. Il y a des trucs en bas. En bas, c'est là d'où je viens. En bas, j'ai été. En bas, j'ai déjà été. Oh. Oh oui, d'accord. Pas prévu d'arriver aussi haut. Ah non, mais là, c'est le pont. Fine. Pas arriver là. Je vais arriver plutôt. J'aimerais bien partir par là-bas, quoi. De toute façon, j'arrive sur un autre truc devant. Donc c'est ok. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a rien. Tour illusoire. Qu'est-ce que c'est? Comment ça, une tour illusoire?
Ah merde, je touchais la tâche de sang. Toucher les trois emblèmes illusoires. Ok, énigme illusoire. Ah. Ok. Ah merde. J'en ai touché une trop tôt du coup. Donc là il y a la tour, c'est à dire qu'il y en a une juste en face de la tour, juste à droite et juste en face. Ok, bah attends, mais elle où la tour? Le problème c'est que la tour est illusoire, donc la tour est invisible. Je veux dire que la tour est très certainement... Attends, je peux prendre mon cheval? Je peux prendre mon cheval. La tour est supposée être... Ok, la tour est supposée être derrière moi. Donc logiquement, il y en a une là-bas. Et... Attends. Je vais mettre les pings, hein. Donc la tour est là. Ok, donc là, je viens de prendre celle qui est juste en face de la tour. Donc je viens de prendre celle-ci. Il y en a une là, et il y en a une là. Je vais prendre celle qui est juste en face de la tour, donc il y en a une qui est à droite de la tour. Donc logiquement à droite, c'est là-bas. Par là-bas, il y en a une. Et peut-être en hauteur. Ça fait pop un meuble, hein. Merde. Ok. Merde. Il y en a une au fond. Il y en a une vers là-bas, non. Logiquement, il y en a une devant un mur. Hein. Peut-être qu'il faut que je tue tous les mobs pour ça. Wouah, de feu, c'est quoi cette zone de fou? C'est quoi cette zone de psychopathe? Heureusement, il y a un truc, ok, attendez. Ah, c'est bien ça. Il y en a une qui est censée être en face. J'imagine qu'elle va être. Sur un mur là-haut. Non, elle est devant le mur vers la droite. Donc un peu plus. Plus par là, quoi. Un peu plus vers là, en réalité. Donc. Par rapport à la tour. Il faut que je monte un peu. Elle est avant le pont. Après, c'est un emblème illusoire, donc on le rappelle, potentiellement invisible. Potentiellement invisible, du coup. Passe au fond. Passe au fond. Par là. Passe du deuxième carré. En face du deuxième carré, plus par là. Par là. D'être par là. D'être dans le coin là, non. D'être par là. Par ici, oui. On va refaire chaud froid. En vrai, là, je suis chaud, là, non? Je suis par là, attends. Mais c'est par là, c'est par là. 100%, c'est par là. Message droit devant. Ouais, ouais. Message droit devant, si, si. Ah, il est peut-être là. Peut-être là, là. Là. Fuck, il est pas là. Peut-être en dessous. Je spam Y en me disant, c'est pas loin.
Le problème c'est que là je suis... Ah quoique, attends. C'est un peu plus loin que ça. Ah c'est pas mal là vers là où je suis. Hein. C'est pas mal vers là où je suis. Là je vais... Allez, je vais arriver trop loin là. Là c'est plus trop... Oh merde. C'est quoi ce mode de fou? C'est quoi ce mode du démon là? Je dois peut-être tuer lui? Non, ça m'étonnerait quand même. Est-ce que je dois tuer ce mob? C'est pas loin. Peut-être que ce mob doit... Non, bah non. Chercher en haut. Ok. Donc c'est bien vers là où je pensais. C'est bien vers là où je pingais. Donc c'est bien vers là-haut. C'est bien vers là où je cherchais de base. Donc ça doit être là de base que je vais chercher. C'est que là c'est en bas. Mais logiquement c'est vers là. Ah oui, même pas, même pas. Un peu plus loin. Même par là en vrai. C'est par là hein. Genre c'est par là. Sur la pierre là. Putain. Voilà, on a trouvé, c'est bon. Et du coup ça va révéler la tour j'imagine. Je me disais que c'était par là. C'était sûr que c'était par là. Salut, attends, je vais juste prendre ça. Merci. Merci, laissez-moi repartir. Et là, normalement, il y a une petite tourelle qui a pop, là. Voilà, c'est ça. Logique. Tout est logique, ici. Ok, on y va, on monte. Non, n'empêche, c'est vraiment des salopards, hein. Planquer des trucs comme ça. Tu vois, je me doutais que le troisième, il y avait une petite douille. Ça pouvait pas être aussi simple que juste tu le prends, tu le trouves, c'est fini. C'était sûr. C'était sûr. Lame indiscernable, forme indiscernable. Œuf endormi. Les œufs, je sais toujours pas à quoi ça sert. Non, je dois pouvoir les trier, non? Je vais lire les œufs. Je vais être là, attendez. Matériaux servant à fabriquer des objets. Ok, bon. Ça sert juste à fabriquer des objets, très bien. Il y a rien d'autre ici. C'est pour ça qu'il y a grand chose de plus par là. Je vérifie quand même s'il n'y a pas un petit item qui traîne sur la tour, mais non, non. Ils ont quelque chose d'incroyable. Ok. Incroyable, ouais. Incroyable, rien du tout. En hauteur. Super. Hauteur. Ouh. Y'a rien, allez, on y va. On descend de là, on a trouvé notre tour, c'est très bien. Maintenant, j'aimerais aller où? Je pense qu'il y a plein de trucs que j'ai pas fait dans la zone, mais ça m'étonnerait parce que ce chemin-là, je l'ai pris. Ce chemin-là, je l'ai pris. J'ai trouvé cette grotte-là. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça. Il doit y avoir des trucs dans la forêt ou dans les ruines par là. Donc il faudrait que j'aille là-bas. Il y a des... Ah, là, il y a une mine là-bas, donc c'est bien. Je vais aller faire l'arbre. Hein. On va aller faire l'arbre. Hein. On va aller faire l'arbre. On va aller faire l'arbre qui est donc vers la droite. Donc on va full est. J'ai mal mec. On va me crocher dessus. Oh la flemme. Il donne pas mal le hein. Bon, je suis désolé de vous archer, mais les gars, il y a un moment. Faut pas rester ici hein.
Putain, ils chient de l'or, les mecs. C'est une folie, hein. Imagine, tu chies de l'or, ça doit être une dinguerie. Je suis là, hein. Je mangerai pour 4. Je mangerai pour 4 pour chier le plus possible, hein. L'arme et l'open art, c'est vraiment abusé. Ouais, c'est trop fort. C'est très très fort. On est bien d'accord. Il y a des runes par la droite. Ça. J'irai voir ça après. Je vais aller voir l'arbre. Hein. Je vais voir un truc, hein. Wesh. C'est quoi cette zone de fou? Pourquoi les mobs sont effrayants comme ça? Mais... Admirer lumière. Ouais, j'ai admiré, ouais. Autisme pour chier de l'or, mange de l'or. Ah ouais. T'es malin, toi. Ok. Wesh. Il crache beaucoup lui, hein. Wow, t'en as des choses à cracher par là, mec. Donc il y a des ruines. Alors les ruines. Logiquement, ruine égale petit souterrain, comme vous l'avez assez souvent dit. Aïe. Aïe. Objet précieux, bon, j'ai eu l'objet précieux, c'est fine. Allez, on va se balader dans les ruines, hein. On va se balader dans les ruines, on va prendre les objets, on va essayer de trouver le souterrain. Utilité droit devant. Donc les ruines peuvent aller jusqu'au fond, on le rappelle, hein. Donc là, c'est encore les mêmes ruines, il me semble, hein. Donc la partie annexe que j'ai prise, pas grand chose. Après, n'oubliez pas que parfois, je suis très bigleux aussi. Mais c'est seulement parfois que je suis très bilou, donc ça va. Wesh. Des escargots de merde là. Putain, mais y'en a combien des escargots là-haut? Pitié! Attends, mais y'en a un milliard! Oh, ce bordel, attendez, je vais tout clear, comme ça au moins on est tranquille, on va pouvoir fouiller comme il faut. Alors très bien. Des escargots, ouais, des limaces, pardon. Ça va, c'est pareil. C'est pareil, on s'en fout. Est-ce que l'urine va encore plus loin? Je pense pas que les runes aillent en hauteur là, si? Non, jamais. Non, il n'y a pas de runes en hauteur, d'accord. Donc les runes, c'est les deux parties là. Donc t'as une partie qui est là-bas, une partie qui est là. Sachant que je pense qu'il y a plus de chances que ce soit ici, parce que le parti est minuscule. Le truc c'est, est-ce qu'ils ont pas mis un passage secret à base de roulades que tu dois faire un peu partout là? Ou tu dois taper au sol ou je sais pas quoi. Ah, il y a des runes là-bas peut-être. Ça, ça prend encore en compte les runes, ça là-bas. Je pense. C'est peut-être la partie là qui compte. C'est peut-être la partie là où faut que j'aille. Mouais. Mouais. Aurais-je loupé quelque chose? Mais il y a des runes encore là-bas. Attends, mais what the fuck? Les runes sont énormes en fait! La zone de ruine est phénoménale. Encore des limaces de partout. Attends, donc là-bas j'avais des trucs, et là-bas il y a encore des ruines, non? Il n'y a pas de ruines là-bas, merde. C'est où? Du coup, juste à gauche, est-ce que c'est encore des ruines?
Ah bah j'ai clear. Si j'ai clear, je crois. Ah bon, de mineur, il y avait rien. Oh chelou. D'accord, on vous dit qu'il y a toujours un souterrain dans les ruines, hein. Toujours. Vous êtes des mythos, wesh. Parfois c'est peut-être juste mieux planqué que d'autres fois quoi. Ok. Donc les personnes pathétiques. Pas les couilles. Ah bah y a rien. Donc dans ici y a rien. Et du coup l'autre partie de la mine c'était où? C'est qu'il commence à faire de plus en plus sombre. Il commence à voir de moins en moins bien. J'ai fait. Tu veux un indice? Attends, je fouille un peu. Je fouille un peu avant. Et après, si jamais vraiment je suis en galère et que je trouve vraiment pas. Je peux bien prendre. Ah, mais il y a des trucs en face encore. C'est là. Je me disais bien que j'avais trouvé un truc et j'avais pas été. Pas seulement par là. Coton doux. Très bien. Ah, c'est un truc au sol comme ça. C'est droit devant, donc chercher sud. Quoi? Ça ressemble à une entrée, ça, non? Non, pas ça, mais là, là, tout à l'heure, là. Merde, j'ai tapé où? J'ai tapé où? J'ai l'impression que ça ressemble à une entrée. Ah, ça ressemble à une entrée, ça. Chercher sud, il me dit. Mais attends, mais il y a encore des runes là-bas, wesh. C'est quoi ce bordel? Les runes sont énormes. Aïe. Je suis bloqué, je suis bloqué. Je suis bloqué, Arlène. Arlène, laissez-moi partir. Pas mal empoisonné là. Ok, ça doit être ici. Les runes sont beaucoup plus grandes que ce que je pensais. Allez, viens, approche-toi, mec. Allez, quand même, pour la forme. On tue tout le monde, quand même, pour la forme. Ok, bon, bah, écoutez, on a pris beaucoup, beaucoup de runes ici. On a pas mal clear. On va pouvoir s'avancer. On a trouvé. C'est parfait. Par contre, ouais, les runes vont de là-bas à là, quoi. Donc, toutes les runes, c'est tout ça, quand même. Hein. Par contre, il n'y a pas d'arbre. Hein. Kourou doré. Très bien. On va pouvoir sortir.
Je vais aller dans la petite grotte qui est au sud. Donc j'ai mis un ping vers une grotte qui est vers le sud. On va y aller en speed. On s'enfouille bien et après on ira refouiller autour de l'arbre. Parfait. Comme ça on va prendre des petites pierres de forge, etc. Je vois qu'il me faut quoi comme pierre de forge pour améliorer? Il me faudrait une pierre de forge neuf. Ouais, pierre de forge sombre neuf, c'est... C'est mort, on oublie. Améliorer les fioles, toujours la chose la plus utile ici. Ok, il manque 3200. Cash out. Il me faut combien? Ouais. Oh non, il me manque 30, putain. Il manquait 3230. On y va. Expert comptable, ouais, mais j'ai pas fait gaffe, c'est tout. Oh, salut les mecs. What? Oula. Oula. Oh, ça c'est là-haut, ça non? Non, c'est ça. Ah oui, je dois sauter, attaque sauter puissante. Sur eux, je dois attaque sauter puissante, sinon j'en fais pas de dégâts. Un arc runique, je m'en fous un peu. Y'a pas un petit chemin caché? Droit devant et ses roulades. Ah oui, merci. Je pensais qu'il me trollait, mais en fait, non, il y a quand même une pierre de forge. Les pierres de forge, c'est pas des items qu'on doit sous-estimer. On est d'accord que améliorer les. Comment dire. C'est quoi? Quoi ça? Améliorer les accessoires, ça sert à quoi? Parce que j'avais amélioré un accessoire mais ça me servait à rien, j'ai mis plus 8. T'as déjà raté une pierre de forge neuf à un endroit que t'as déjà exploré? Ça dépend, c'est une pierre de forge sombre ou une pierre de forge normale? Pierre de forge sombre, j'en ai trouvé une. J'en ai trouvé une pierre de forge sombre neuf. Pierre de forge normale, je m'en fous. Ah ouais? Oh, j'irai la chercher après, c'est pas grave. On cherchera ça plus tard, c'est fine. Si tu peux juste me dire vers où je l'ai loupé, mais pas l'endroit exact, mais vers où, ça me va. Hey lead. Okay. Allez. Ah, Kaelis c'est vague. Ouais, mais Kaelis ça me va. Oh putain. Kaelis ça me va comme indication. C'est très grand, certes, mais ça me va. C'est vrai que t'as vraiment trop envie de tout fouiller dans ce jeu, hein. C'est de la folie. Hein. Quoi l'objet là? C'est de la tâche de sang, ok. Huile corps, bâton d'excavateur, une pierre de forge 5. Je vais fouiller encore un petit peu plus en hauteur, voir s'il n'y a pas des trucs. Pas de là d'où je viens? Non, sinon j'aurais pas pris cette. Sinon j'aurais pris cette pierre de forge sombre. Y'a rien par là. Nickel, donc on a fait la hauteur, maintenant il faut qu'on fouille un peu plus en bas. Surtout toi t'aimes trop faire chaque centimètre carré d'une map énorme. Ah disons que j'ai tendance à passer à côté de quelques endroits, c'est vrai. Mais ça doit être dans une cave, non? Dans une cave de Kaelid, j'imagine. Même pas.
Oula, pas ce coup-là. Oula. Ah, je reviens. Laisse-moi fouiller ailleurs avant. Laisse-moi fouiller par là-bas avant. On sait jamais. Donc là, c'est là où il y a le boss. Très bien. Est-ce qu'il n'y a pas une petite pierre de forge ici? Ah si. Objet clé, pierre de forge. Merci. Ok, bon, vas-y, on va faire le mob. Hein. C'est rapide à check si tu as pris ou pas. Je pense pas qu'il a tout fait au bastion. Moi, bastion, je sais pas s'il a tout fait, mais j'ai battu le bomb qui m'a donné le stuff, ouais. Ah, oh non, pas eux. Eux, ils pètent les couilles. Faut que j'arrive à les stagger, donc... Donc eux, faut vraiment que j'arrive à les stagger. Oh, j'aime pas eux. Voilà, parfait. Là, c'est bon. Putain, mais l'autre ne tape pas en fait. L'autre, il dort. C'est bon. Ça va, c'est de la merde. C'est de la merde. Pierre de mineur de pierre sombre 2. C'est pratique. C'est pratique, hein. Comme ça je pourrais avoir des pierres de sombre 2 à l'infini. Donc ça c'est pas mal si jamais j'en ai la nécessité. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Par contre, je n'ai pas encore bien fouillé la mine. Il me reste encore des trucs à aller chercher ici. Donc on va pas prendre le TP maintenant. Ah, c'est pierre de sombre 3 et 4. Ah d'accord, c'est comme les pierres de forge normales. Ouais, c'est ça, ok, j'ai capté. Je vois. Donc en gros, ça me permet d'avoir des pierres de forge sombre 3 et 4 à l'infini, juste avec des runes, quoi. C'est pratique. Et c'est comme les autres, j'ai pierres de forge 1 et 2 et 3 et 4, et c'est tout, quoi. Qu'est-ce qui m'arrive, là? Ah non, c'est les mobs qui me crachent dessus partout. Ok, je vois. Ah, je vois, c'est ça. Ça s'appelle les couilles, ça. Ok, je peux pas passer par l'arbre. Merde, j'y ai cru. Je me suis dit, je peux passer par là. Sauf que non. Et j'avais un chemin en bas. J'ai récupéré mes trucs. À droite, j'ai été tout à l'heure. Ouais, j'étais à droite. Hein. Ouais, j'étais à droite. Aïe. Apprends à voler. Ah ouais. Stylé de voler. Aïe 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 aïe. Oh. Ok, je capte. Touche ici, mais putain. Ok. Waouh. Ok. Bon, lui. Attends, est-ce que je peux aller le chercher? Je peux aller le chercher, hein. Ok, j'avais pas prévu ça comme ça. Ah, c'est vrai que ces mobs-là ils pètent les couilles, le pire c'est que je peux pas le taper d'ici, c'est trop chiant. C'est trop chiant.
Allez, on y va. Non. Oh putain. Saute. Prends l'item. Ok, j'ai eu l'item. J'ai eu le talisman d'arsenal. C'est déjà pas mal. J'ai eu le talisman d'arsenal, mais je pense que je peux pas aller jusqu'au fond. Hein. Je sais pas s'il y a un chemin qui me permet d'aller au fond et battre le mob, mais bon. On a eu le talisman, c'est fine. Arc utile dans ce genre de situation, ouais, j'imagine. Hein. Là, j'ai aucun arc, ça va être pas mal. J'aimerais bien récupérer mes trucs. On augmente grandement la charge d'équipement maximum. Ah, c'est ouais, donc pour passer en charge légère, quoi. Les âmes sont en haut. Putain, mes âmes, j'avoue. Hein. Il y en a 16 000, attends. Après, 16 000, c'est rien, mais vas-y, on le tente une fois. On tente de les récupérer une fois. Si on y arrive, tant mieux. Si on n'y arrive pas, tant pis. C'est pas grave. De toute façon, si j'y arrive pas, ça veut dire que je les ai perdus. Donc, à partir de là. Allez, c'est bon, tant pis. De toute façon, on voulait pas ses âmes, les gars. On s'en bat les couilles. On a eu l'item. C'est le plus important. On se barre de là. Allez. De toute façon, les gars, c'était 16 000. On peut partir d'ici. Merci, messieurs. C'était fort intéressant, cette petite galerie. On a pris nos items. On a pris des petites pierres de forge. On a eu un item vraiment cool, par contre, qui est donc la perle cinéraire. C'est vraiment bien, ça. Et là, on se barre. Donc je vais aller vers l'arbre désormais. Donc on va aller vers l'arbre. Donc on a fait la rune, on va aller là. J'essaye de mettre un peu plus de ping pour me repérer parce que des fois j'ai tendance à me perdre, vous savez. C'est très rare mais quand ça arrive c'est relou donc. Ah, c'est ça donc l'arbre. Ah, c'est un mob assez différent, ouais. Oh là. Okay. Bizarre ça. Il crache tout devant lui, mais il a rien compris lui. Bah, il a rien capté le con. Il est super nul le face de verre là. J'arrive dans son dos, je le déchire. Ok, merci. Ok, des larmes, donc ça c'est pour une potion, hein, comme d'hab. Hein. Donc c'était ça le mob qui était ici. D'accord, donc c'était ça le mob. On va aller vers le haut maintenant. On va aller vers le nord. J'aimerais bien fouiller quand même vers le pont, vers là-bas. Il y a des ruines ici que j'ai pas fait, donc ça je ferai ça après. Je vais faire un grand tour. En gros, là ce que je vais faire, c'est que je vais aller vers le nord. Je vais fouiller tout ce qui est là. Je vais refaire une petite boucle pour arriver là-haut. Pour arriver là-haut. Pour faire les ruines qui sont juste ici. Et après, je repartirai vers le bas. Pour fouiller tout ce qui est en bas. Oh putain. Trop peur. Ok. C'est bon, j'ai mon chemin. Rune des Sylvains, on a pris. Alors, rune des Sylvains, on a pris, hein. Et rune des Sylvains, j'ai pris. Quasi sûr. Je regarderai la map après pour voir si j'ai pris le truc des runes des Sylvains, mais il me semble que oui. Rune des Sylvains. Ouais, j'ai pris. C'est le truc qui est là, qui fait toute la zone, c'est fine. On a pris tout ça, ok. Pas un petit truc de feu là. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas un petit truc de feu ici. Un petit, une petite pierre de foie là. Pierre de foyer. Oui madame. Là on rentre dans un village. Elles ont pas l'air très accueillantes. Oui, oui, oui. Elles ont vraiment pas l'air accueillantes même, j'ai envie de dire. Ok, c'est bon. Vous avez fini, mesdames? Tu sais, moi, je veux juste passer dans le village, tranquille. Prendre à manger, tout ça, mais... Il semblerait que c'était pas trop leur... C'était pas trop leur plan, quoi.
petit moulin. Ok. J'entends un truc au loin. Ah, ça le va. Protection de l'arbre monde. Très bien. Les petits cendres de guerre. Donc le village est plus ou moins clear. On va les tuer. Peut-être un truc dans le mur là, c'est bizarre là. Qu'est-ce que tu protèges, mec? Qu'est-ce que vous regardez, les gars? Qu'est-ce que vous regardez ici? Rien du tout. Donc là-bas, c'est là où je voulais aller après. D'abord, je vais continuer de fouiller par là. Mon rayon doré de fantassin. Un petit chapeau. Là-bas, on ira après. On va aller au fond. On va aller vers la cabane au fond. Le petit moulin là-bas. On va tuer tout le monde. Staff débarre ici. Vas-y, je vous laisse. Trop bien. Salut mesdames, je peux danser avec vous? Salut. Je peux leur parler, non? Ah non, peut-être pas. Je vais laisser danser, hein. Si elles veulent danser, je laisse danser. Vas-y, hein. Épée de gémini de chevalier, capuche bleu marine, costume de voyage de noble, gants de noble, ok. Pantalon de noble. Cool. Tu vois, si jamais elles veulent pas me faire chier, je vais pas les faire chier. Je peux pas danser avec elles, j'ai pas une émo de danser. J'ai pas d'émo de danser, je suis dégoûté, frère. Je vais du coup faire la fusion de Gogeta. Fusion. Oh, elle a pas l'air d'être très en forme quand même, hein, mesdames. Hein. Bon, écoute, quel est l'intérêt de les tuer? Quel est l'intérêt de les tuer? Elles sont là en train de danser paisiblement. On va pas les faire chier. Est-ce que je peux entrer dans le moulin? J'avoue. Tu n'as donc pas le droit, tu n'as pas le droit. Merde. C'est le checker des craquettes, c'est ça, hein. On est à la gare de Nantes là. Ici c'est la gare de Nantes. Ah, mais un petit visage ici, le pâturage oriental. Bon écoute. Peut-être un truc à faire, mais on verra peut-être plus tard. Hein. Est-ce que je les tue toutes? Ouf. Je dois toutes les tuer là? C'est bizarre quand même. Hein. Il y a un truc à faire ici, c'est trop bizarre. Grand arbre droit devant. Oh, il est pas si grand que ça l'arbre. Hein. Reste droit devant. Ouais. Ok mec. Attendez, dites-moi, est-ce qu'il y a un truc à faire ici? Est-ce qu'il y a un truc à faire ici? C'est ça ma question. Je ne pense pas, mais vous avez le droit de dire oui ou non. Moi pour moi c'est non. Mais bon. Non, y a rien. C'est juste des meufs qui dansent tranquille, vas-y. On va laisser lancer alors. Maxito, yes, ça, vous avez le droit. Quand je vous demande, vous avez le droit. J'allais par là. Après, quand je vous demande, vous avez juste besoin de dire oui ou non. En fait, tu peux dire oui et non. Ce qui est très différent. Mais il y a certainement un truc. Ah merde, désolé, vous avez peur.
On va vous libérer. Je vais vous libérer de ces infamies. C'est bon, vous êtes libre. Vous êtes libre. Les gars, arrêtez d'avoir peur, vous êtes libre. Je viens de vous sauver la vie. Les potes, ça va ou quoi? Bon, ça a pas l'air d'aller. Hein. Raviole de vente crue. Très bien. Comment faire des trucs avec le monde de chaîne ou pas tout? Si, je vais essayer de faire des trucs. Mais comme j'ai dit, en fait, j'aimerais bien développer un jeu. Mais ça prend du temps, quoi. Ça prend du temps. Il faut que je contacte un dev, etc. Mais tu vois, où tu peux utiliser les points de chaîne. Et bon, ça c'est le genre de truc, ça arrivera dans un petit temps, quoi. J'en ai tapé un, je crois. Ah merde, j'en ai tapé un, j'ai pas fait exprès alors. J'en ai tapé un, j'ai pas fait exprès. Oui, c'est ça, il faudra des devs, clairement, pour un jeu. Bon, après, c'est un petit jeu, hein. Si je fais un truc, c'est un truc vite fait, hein. Alors, je vais aller vers le bas, je vais aller vers là-bas. Il y a quoi comme moulin ici? Il y a quoi dans ces moulins ici là? Non, là c'est là où j'ai été au début, non? C'est pas là où je suis arrivé? J'ai tué toutes les grand-mères qui étaient venues me taper? Ouais, c'est bon. Ok, donc on peut aller là-haut. On peut monter. Ça a concurrencé Bonobro et la Calve, exactement. Je suis arrivé au village. Je suis rentré au village, les amis. Wesh. Alors, j'attends une mélodie. J'entends une mélodie festive. Non, pitié, ne me dépêchez pas. Ah. Ma peau est taquée, croyez-moi. Ah, donc en gros, quand elles font la fête, là-bas, c'est pour dépêcher les gens. En sacrifice. Ici. Ah ouais. Donc qu'est-ce que vous êtes en train de dépecer ici? C'est moi? Oh bon, écoute, je vous laisse danser, hein. Tu sais quoi, hein. Tant que vous ne cessez pas de me dépecer, c'est fine, hein. Pourquoi je reste en slip? Parce que je fais une run slibar. C'est la run en slibar, là. Je suis un samouraï en slip, c'est comme ça. Wesh. Ça se tape des yep ici. Ça s'amuse bien. Prendre l'objet. Ok, une rune dorée, bon. Manque cruel de vie, c'est vrai. C'est très bizarre cet endroit. Hein. C'est très bizarre cet endroit. C'est une ambiance un peu glauque, je trouve. Après, je crois que c'est le but aussi, hein, mais. Mais du coup, c'est le but, c'est très bien fait. Il y a un mec sur la maison là. Ah non, c'est une cheminée. Bon, écoute, hein. On avance, hein. Faire un petit tour vite fait. D'abord faire un petit tour par là-bas. Là, tu le battes? Tu le battes, ok. Foie séché anti-sacré. Du coup, elle était en train de grailler son foie, là? C'est des vilaines cannibales, en fait. Plume de faucon des tempêtes, lourd. Ok. Hmm. Ouais. Toujours important de vérifier au-dessus des maisons, hein. Toujours important, on sait jamais s'il y a un petit objet caché sur un mur. Tiens, wesh. Et ça va, je voulais pas me battre de base, hein. Je tape. Oh, je m'en battais les couilles de votre gueule. Oh putain. Oh, elles sont mis à magro, les connes. Ah, c'est le cheval qui a sauté sur eux qui les aggro. Ah.
Ah oui, en même temps je comprends. J'ai vu que t'as un cheval qui te saute dessus, t'es pas content. Et je vais pouvoir aller sur cette maison en passant par là. Sans même en passant par là en vrai. Sans, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un truc sur la maison déjà? Lâche ça. Y'a rien sur la maison de toute façon, donc Osef. Y'a rien. On va pouvoir s'avancer encore. Là-bas, on est bien. On le laisse danser. C'est en train de faire une prière en face de moi. Je demande qui est leur dieu, hein. Le dieu des cannibales, bizarre. Attends, petit objet là. J'ai pas vu l'objet là? Ah, je suis pas monté aussi. Si, si, je suis monté tout à l'heure. Je suis carrément monté, c'est juste que je suis pas descendu un peu d'un étage, ouais. Ah. Ok. Bon, les autres continuent de danser, hein, ça va, hein. Tant que les autres continuent de danser, ça va, les gars, ça va. Celle. Apôtre. Oh non. Oh non, pas un apôtre sainte chère. Oh merde. Oh merde, pas eux. Oh, il a moins de vie que l'autre. Oh, il a beaucoup moins de vie que l'autre. Oh oui, ça va. Oh oui, ça va, ça va. Ça a rien à voir par rapport à l'autre. En plus, ils font le saignement lui, je crois. Oui, lui, il prend le saignement et tout. Il est vraiment beaucoup facile que l'autre, hein. La musique est trop bien. Bon, il faut savoir que l'apôtre, j'en avais... J'en ai tué un déjà, mais qui était beaucoup plus fort que celui-ci. Fun fact, c'est le premier apôtre que t'es censé découvrir. Ah. Après, le truc, c'est que moi, j'ai fait l'apôtre qui était là. Donc, je pense que c'est... Il est plus dur, celui-ci, qui est... Il est où? Elle est où, la tour divine de Kaelid? Alors là, j'ai un trou noir ici. J'ai rien fait par là. Hein. J'ai rien fouillé par là. Hein. J'ai fait celui qui était... C'est là, non? C'est pas la tour divine de Necrolam, non, c'est pas celui-ci. Celui de la tour divine, il est effrayant. Il était trop, trop chiant. Voilà, celui-ci, là. Celui-ci... Le centre de la tour divine de Kaelid, celui-ci, j'ai galéré. J'ai galéré celui-ci. Mais quand je dis j'ai galéré, j'ai vraiment vraiment galéré. L'un des boss sur lequel j'ai le plus galère avec bah, les gargouilles quoi. Donc tu peux dézoomer sur la map, j'ai jamais vu la taille. Elle est comme ça la map. Elle est colossale. Et encore j'ai pas tout fait. Bon après j'ai battu la gargouille qui était devant, qui défendait Gurank. Donc voilà, écoutez, ici on a fait ce qu'on avait à faire, on a loot un peu ce qu'il y avait là. J'aimerais bien prendre quand même le côté... Ouais, quand même, avant de partir par là, j'aimerais bien tout de même... J'aimerais bien... Ouais, fouiller ce qu'il y a là, là. Là, c'est les mines de tout à l'heure, non? Donc ici, on a pris ce qu'on avait à prendre. Laisse l'arme qui t'a filé, je peux tester l'arme qui m'a filé, si tu veux. Écorcheur... Écorcheur sancte chair. Oh la tornade de la flamme noire! Wesh, ça a flop là. J'ai flopé, pourtant j'ai la force nécessaire là. Ah merde, j'ai pas de mana, c'est vrai. J'avais pas vu. Wouah! Ok, c'est stylé. C'est stylé, c'est stylé. Pas mal. Bon. Je vais, du coup, avant de partir ici, je vais pouvoir partir là-bas. Je vais essayer de faire un petit tour par là. Faire les mines qui sont là. Faire les trucs qui sont là. Continuer de fouiller vite fait vers le haut. Je vais te fouiller vite fait le moulin qui est là. Et comme ça après on descend, on fouille par là et on est bien. Et comme ça on aura bien fait un tour par là. Bien entendu il me manquera des trucs à fouiller hein, mais
C'est fine. Tellement au début du jeu, mais les level 100 ça me fume. Ouais, mais après, je me suis baladé de manière un petit peu aléatoire quoi. C'est un peu le but aussi des open tours. Enfin, des open tours, des open world. C'est normal.